Salut à tous, on est déjà mardi, donc bienvenue dans ce nouveau devblog. Donc cette semaine, on va s'occuper de faire le forum de Maille Noire et la soundboard. Donc ça va être une semaine où je vais essayer de faire deux semaines en une. Comme ça, en fait, on avance encore plus vite. J'ai pas envie de repasser une semaine de design, je commence à en avoir un petit peu ma claque et j'aimerais bien avancer sur le site. Donc je vais essayer de designer à la fois le forum et la soundboard cette semaine. Donc là, on va dire que je me donne, allez, 7 journées pour faire le forum, essayer de le terminer. Et on va dire que je me donne mercredi, donc demain, pour faire la moitié de la soundboard. Donc là c'est parti, il est 9h33, en avant pour le développement du forum. Il est 11h37, donc vous pouvez voir que le forum a plutôt même très bien avancé. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez bien kiffé le petit timelapse. Ce qui va se passer là, c'est que ben, je vais arrêter là pour cette page. Je sais qu'il y a encore des petits widgets à coder en dessous, mais c'est sensiblement les mêmes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et il faut que je généralise un peu certaines choses avant de continuer à faire ces widgets. Comme ça, ça sera plus propre et plus lisible au niveau du code. Donc comme c'est chiant à faire, je le ferai la semaine prochaine quand je ferai toute une version corrigée de plein de choses. Comme ça on avance aujourd'hui sur la suite du forum. Donc ce que je vais faire en fait là, c'est que je vais faire une petite pause, je vais attendre midi, je vais me faire à manger. Et après je vais revenir pour continuer le développement du forum. Donc on va faire les pages de topics et de messages en espérant avoir fini aujourd'hui. Mais en principe ça devrait aller, je suis plutôt bien avancé là. Donc voilà, bon appétit et à tout à l'heure. Il est 19h, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc demain, je commence quand même la soundboard. J'ai encore 2-3 petits trucs à terminer. Donc normalement, il y a ça à terminer avec la petite colonne de droite ici. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Cette colonne de droite, elle n'est pas encore totalement faite, mais elle est prête. Et les messages sont quasiment prêts. Il y a juste ça à changer. Je vais le changer là tout de suite. Donc au niveau des messages et des likes, il faut que ça soit en dessous et un petit peu plus petit. Mais voilà ce que ça va donner pour le forum, vous allez avoir les posts de cette façon là. Et du coup la barre à droite quoi. Donc voilà pour cette journée, on va voir demain pour la soundboard. Donc la soundboard, je vous rappelle, ça ressemble à ça. Donc c'est plein de petits carrés avec un bouton play pour pouvoir jouer les sons directement sur Discord.
Donc je vais voir ça pour demain, faire le design. Et bon, bien sûr, ça ne marchera pas sur les bots tout de suite, parce qu'il faut relier le back-end dessus, mais ça viendra bientôt. Donc voilà, à demain. Salut à tous, on est mercredi matin, donc aujourd'hui c'est parti pour la soundboard. Donc j'ai déjà commencé à faire quelques petites préparations. Donc voilà, la soundboard va devoir ressembler à ça. Bah c'est parti. Il est 13h05, donc j'avance tout doucement sur la soundboard. Je prends mon temps et j'ai eu des petits trucs à faire ce matin. Donc j'ai commencé à faire ce truc-là avec les boutons bah, pour cliquer. Et il me reste à faire la partie de gauche, donc je vais la faire juste après manger tranquillement. Là, je vais aller me faire à manger. Il est 18h, donc j'ai terminé la page d'accueil de la soundboard. Donc voilà ce que ça va donner avec les filtres. Donc vous allez pouvoir en fait passer votre souris ben, sur les menus ici pour naviguer et ben, cliquer pour y accéder. Donc ça va pas recharger toute la page, ça va changer la page qui est ici normalement. Je vais voir pour faire ça en Ajax. Et ensuite, vous allez avoir les filtres. Donc il faut encore que je fasse un design custom pour les select box. Et les organisations par les ordres alphabétiques, la date, la popularité, tout ça. Donc je vais m'arrêter là parce que je suis assez claqué, je vais pas trop forcer, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, ça doit s'entendre d'ailleurs. Et en plus ce soir en fait je vais ben, dans la nuit visiter Chartres en lumière, donc c'est des effets spéciaux sur des bâtiments de Chartres, donc la ville de Chartres. Donc je vais m'arrêter là, je vais essayer de me reposer un petit peu et je reviendrai du coup pas demain parce que le jeudi la personne chez qui je suis en ce moment elle est en week-end, mais je reviendrai vendredi ben, pour terminer deux trois petites choses et sûrement qu'on fera un petit peu de build aussi ensemble pour le serveur, donc au niveau de la capitale. Salut à tous, on est vendredi, donc il est déjà 11h25. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je vais corriger des petits bugs. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier au niveau de la carte de main noire, donc avec Nailu, donc qui est une buildeuse du serveur. Et bah, je vais corriger des petits bugs, je vais faire ça tranquillement. On va voir où est-ce que je vais avancer, puis bah, on va finir un petit peu tout ce qui est design du site. Donc voilà, c'est parti pour ce matin. Il est 14h19, donc j'ai fait un select custom. Donc les select, c'est les petits menus pour pouvoir en fait sélectionner des éléments. Donc ça ressemble à ça. Donc là, j'en ai fait un custom.
Donc ça permet d'avoir un design dessus. Donc j'ai passé 2 heures à le faire parce que j'ai pas pris de librairie pour le faire. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça cool. Il y a peut-être des petites améliorations au niveau des effets que je vais faire, mais sinon il est fonctionnel, il est parfait. Donc voilà, là je vais m'arrêter pour aller manger parce que j'ai super faim. Et je reviens après, je pense, pour continuer à bosser un petit peu sur la correction de bugs et l'amélioration du site. Bien, avant de vous quitter, je voulais vous montrer en fait où on en était un petit peu sur le serveur, parce que ça va bouger dans les semaines qui vont venir. Donc je sais pas si vous vous en souvenez pour certains, mais la capitale elle était beaucoup plus petite, elle était d'ailleurs terminée à la base. Il y avait des maisons, il y avait des rues, etc. ici, et elle faisait cette taille là, donc le cercle plus le bâtiment que vous avez au milieu. Donc là c'est en train de changer parce que la capitale, quand je l'ai faite, quand j'ai demandé à Light de la faire, c'était pour en gros un serveur qui était faction de guilde, mais on se foutait pas trop de votre gueule non plus, donc on faisait les choses bien. Sauf que maintenant Mainoir, au bout de 2 ans et demi, ça a évolué et c'est devenu un MMORPG, donc à part entière. Et du coup la carte là elle était beaucoup trop petite pour ce qu'il fallait faire, donc j'ai commencer à l'agrandir, donc avec l'aide de Naeliu et la mienne du coup, et un petit peu Light pour ces tours là. Donc voilà la nouvelle taille de la carte. Donc vous avez du coup maintenant l'ancienne ville qui est en fait une toute petite partie de la haute ville. Vous aurez la ville moyenne qui sera en dessous, donc avec en gros ici 250 blocs de rayon. La première elle fait 100, et vous avez la dernière partie, la ville basse, qui est à 400 blocs de rayon. Donc vous pouvez voir que c'est assez immense, et en gros cette partie de ville ce sera la ville principale dans laquelle vous allez démarrer votre aventure sur le serveur. Alors la particularité de cette ville, c'est que c'est une île volante. Donc je vous montre par dessous. Donc là pour l'instant c'est plat, on avait déjà fait tomber les chaînes etc. sur l'ancienne ville, donc là on va devoir le refaire mais en beaucoup plus grand. Et donc la particularité, comme je disais, c'est que c'est une île volante et que du coup pour descendre, vous allez devoir réaliser des actions. Vous verrez tout ça en temps voulu. Donc voilà ce qui a été fait un petit peu récemment sur le serveur. Je vous montrerai plus par la suite, sachant que là, le site internet du coup est quasiment terminé. En tout cas, toute la partie design est faite. Là, je vais passer sur la partie back-end comme je vous l'ai expliqué. Et donc cette partie back-end, je ne peux pas vous la montrer. Donc en attendant, je vais travailler aussi sur le game design et sur la fin du site internet, et à la fois sur la carte de Mainoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai quelques petits spoils sur Twitter et sur Discord quand on aura des nouvelles choses à vous montrer. Parce que là, comme je vous le disais, les devlogs vont s'arrêter un petit peu. Et ils reviendront quand j'aurai des nouvelles choses à vous montrer au niveau du développement. Donc ce ne sera pas du web normalement. Ce sera du coup le développement de Model Maker et toutes les API que j'avais commencé à faire. Donc rassurez-vous, bien sûr, il n'y aura pas une pause dans les vidéos parce que j'arrête les devlogs pour le moment. Je ferai des tutos normalement et sûrement des streams. Donc j'ai un site que j'aimerais coder. Peut-être que je vous le ferai en stream. Je vais voir ça si j'ai le temps et si j'ai l'envie, parce que là je vous avoue que le développement web j'en ai un petit peu marre, j'ai envie de changer. Donc j'ai des choses comme ça qui vont arriver sur la chaîne. Je vais aussi avoir des tutoriels de bungee cord, de Redis, de plein de choses. Il y a vraiment des bonnes choses qui vont arriver. J'ai vraiment envie de faire pas mal de tutoriels et des tutoriels de graphisme. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Mettez aussi un commentaire pour me dire votre avis, pour me proposer des suggestions de vidéos si vous avez des suggestions à me faire pour les tutoriels. Vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez de Mainoir, ce que vous pensez de plein de choses concernant ma chaîne YouTube. Moi, je vous retrouve du coup, je ne sais pas quand, et pas la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager la chaîne, c'est hyper important. J'espère vraiment qu'on se retrouvera bientôt au niveau des devlogs. Le site internet devrait sortir au mois d'août, il n'y aura pas de soucis sur ça. Passez à tous une excellente fin de vacances. Ciao !